Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui sur Roller Champions, le prochain jeu annoncé par Ubisoft durant l'E3 2019 qui est censé détrôner du coup Rocket League. Même si par moi j'ai déjà testé une ou deux fois de faire une game et honnêtement ça a quasi rien à voir. Mais bon, du coup c'est un jeu, comme j'ai dit, annoncé par Ubisoft de roller par équipe de 3. Et le but ce sera de marquer, je crois, maximum 5 points. Ce qui est dommage, c'est vu que j'ai déjà lancé le jeu, il n'y a plus la petite vidéo de début. Mais j'essaierai de le retrouver et de le mettre. Donc ici, on est bon, sur le menu, hein, on va dire que c'est assez sommaire, puisque pour l'instant, c'est qu'une démo. Ici, on pourra customiser, à mon avis, son mec. Donc ça, après, ça, c'est le leaderboard. Hein, mais bon, il n'y a rien de disponible pour l'instant. Puisque ce n'est qu'une démo qui était passée à l'E3. Donc le but du jeu étant, on est des équipes de 3. Et ça sera simplement à récupérer la balle, faire des tours de terrain pour essayer de, on va dire, de charger et marquer le plus de points possible. Et de marquer forcément dans le but. Je sais pas si il va remontrer, ouais, quoi que non. C'était dans la vidéo du début qui expliquait un peu comment ça fonctionnait. Donc je vais essayer de faire un petit tuto. Bon, on va essayer de faire un bon match. Bon, le personnage, on n'a pas le choix, se donner un aléatoirement. Bon, je pense que vu que la customisation est lock, c'est peut-être pour ça. Putain, en tout cas, la sacrée cuisse, laisse tomber quoi. Ça te faire du roller, laisse tomber. Bon. Commence comme la game là. Ah, t'en vas. Donc, je vais expliquer un peu les touches. Vu que j'ai pas eu la vidéo tuto au début du jeu, vu que j'ai déjà lancé. Alors, le stick gauche, vous l'aurez compris, c'est pour se déplacer, donc gauche-droite. Avec la gâchette droite, c'est pour, on va dire, faire du patin, hein, tout simplement. Et, oh, j'ai déjà la balle. Allez, c'est parti. Alors, après la gâchette de gauche, c'est pour du coup se positionner comme ça pour gagner un peu de vitesse. A, c'est pour sauter. X, c'est pour dash ou esquive. Et au-dessus de la gâchette droite. Ah, culé! Et au-dessus de la gâchette droite, le petit bouton dessus là. C'est pour viser et tirer, du coup, pour essayer de marquer un panier. Alors, pour marquer un panier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un tour complet avec la balle dans la main ou avec le rond de sa couleur de son équipe. Pour pouvoir charger des petits anneaux lumineux sur les côtés. Allez, passe-moi la balle. Ah non, c'est pas nous qui avons la balle. Nice. Et en plus, les anneaux disparaissent quand l'équipe adverse récupère la balle, forcément, sinon ce serait trop simple. Allez, donne-moi la balle. Et ben non. Vite, vite, récupère là. Nice. Putain, fire. Donc Y, c'est pour demander la balle. Après B, c'est pour s'arrêter. Il se stoppe. Et puis je pense que j'ai fait le tour des touches, hein, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour faire des commandes vocales. Putain, mais. Casse les couilles, il va me défoncer quoi. On tous les dégommer. Non, mais calmez-vous. On va me dégommer tous les deux. Putain, il va marquer, quoi. Ouais, après pour win, du coup, il faut charger un tour complet. Eh, mais je vais les violer. J'aurais dû partir de l'autre côté. Est-ce qu'ils vont tenter les 5 points? Non. Ah bah lui c'est pas tiré, c'est bien. Voilà. Hop, on a rechargé ces trucs de merde, ils les ont. Eh mais non, mais calmez-vous, à un moment, c'est pas un jeu où tu défonces uniquement les mecs. C'est quoi? Je vais tenter un truc. Oh non, on a pas la balle. Bon, ça, honnêtement, c'est assez chaud à prendre en main au niveau des tirs et tout ça.
La vue, ça va. C'est pas trop dégueulasse. Bon, eh non, mais lui, je vais le violer. Eh, mais lui, mec. Allez, dégage. Eh, mais lui, en tout cas, il s'est bien défoncé. Il s'est pas tiré, mais c'est bien défoncé. Hein. Mec, il prend une seule touche sur sa manette, même. Ah, c'est chaud à la rattraper. Eh, mais. Je vais prendre par derrière. Pfff. Ah, je me suis fait déglingue. Alors, lui, lui, je vais le déglingue. Allez, dégage. Je sais plus si je l'ai dit. Un tour, c'est un point. Deux tours, c'est trois points. Et trois tours chargés, c'est cinq points. Putain, enfoiré. Et la game se termine quand vous avez 5 points. Voilà. Donc c'est des games de 7 minutes. En tout cas pour la démo. Mais à savoir qu'au bout de 5 points, le match se termine. Et vous gagnez des fans. Je sais pas à quoi servent les fans pour l'instant. UB Event. Pas du mauvais sens, mais allez, moi je défonce tout le monde. T'as le bot, il demande la la. Putain, oh la vitesse que j'ai. Oh merde, putain. Tiens, on voit la balle. On voit la balle. Putain. Les mecs, ils veulent à tout prix marquer. Mais putain, ah non, mais lui, mais... mais lui, je vais... Trop du blanc, dégage. Le mec qui rage, tu sais. Non, non! Ah oh oui, le bot! Vas-y, le bot! Dégagez! Allez, à la place, le bot! Putain, fichu! Mais casse-toi, toi! Ah mais lui il fait que des dashs quoi, c'est un truc de dingue. Dégagé. Deux pour le prix là. Nice. Putain, j'ai fait de la merde. Putain, j'ai fait de la merde. J'ai tiré, je pensais qu'on avait déjà fait un tour. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh, je suis sûr, il veut gagner du temps, enfoiré. Oh, le bâtard, il veut gagner du temps. Putain. Ah oh, l'enfoiré, il a gagné du temps. Enfin, il a gagné du temps pour pas qu'on récupère la balle et qu'on essaie de le marquer. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Une game, je veux dire, suffit. Après, libre à vous de télécharger et de tester par vous-même.
Donc comme j'ai dit, le jeu, enfin la démo est disponible gratuitement sur Uplay pour le 3 du 10 au 13 juin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, partez bien et à bientôt.